Bonjour à tous et merci de suivre les 13 heures de la télévision du Burkina. Voici le sommaire. C'est une réponse aux doléances des sinistrés relogés dans les écoles suite aux pluies diluviennes du mois de juillet dernier. Le gouvernement leur a remis des vivres hier. C'est un geste de solidarité qui intervient une semaine après la visite du président du Faso sur le site de Polsgo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ils sont plus passionnés par l'activité que par le poisson capturé au bout du fil. La pêche demeure un loisir pour certaines personnes. Nous irons à leur rencontre sur les rives des cours d'eau à la périphérie de Ouagadougou. Et puis après deux semaines de compétition, les lampions se sont éteints sur les Jeux Olympiques à Rio 2016. La cérémonie de clôture s'est déroulée hier au rythme de la samba brésilienne. Les prochains Jeux auront lieu à Tokyo en 2020. Des vivres pour les sinistrés relogés à l'école de Polsgo dans l'arrondissement 4 de la capitale burkinabé. Le don du gouvernement a été remis aux bénéficiaires hier dans l'après-midi par le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure. Un geste de solidarité envers ces personnes en détresse. Le point avec Roger Kam et Bouma Ernest Nebier. Le gouvernement vient en aide aux sinistrés des inondations de juillet dernier relogés dans les écoles de Polsgo. Une aide alimentaire composée des riz, du maïs, de l'huile et de la farine de maïs, le tout d'une valeur de près de 3 millions de francs CFA. Un geste accueilli ici comme du pain béni. Les mots nous manquent pour témoigner notre reconnaissance au président du Faso et à son gouvernement. Que Dieu leur donne la force afin qu'ils nous aident davantage à pouvoir sortir de cette situation inconfortable. Le don traduit l'une des réponses du président du Faso Roch, Marc-Christian Kabore, aux doléances de ces personnes en détresse lors de sa visite le 15 août dernier. Au cours de cette même visite, la réalisation d'un forage leur a également été promise. Une promesse qui sera exécutée dans les plus brefs délais, a rassuré le ministre d'État Simon Compaoré. Des instructions fermes ont été données pour qu'un forage supplémentaire soit fait pour permettre à ceux-là qui sont là de pouvoir avoir ce précieux liquide pour traverser cette période difficile. À ce jour, 8000 sinistrés des inondations de cette année sont logés dans des écoles à Ouagadougou. Et des actions sont en cours pour leur relogement, a dit le ministre d'État, afin de libérer les salles de classe pour la rentrée scolaire qui s'annonce. L'Association des élèves et étudiants du Burkina a commémoré ce samedi 20 août ses 30 ans d'existence, un anniversaire jumelé à l'ouverture officielle du séminaire national de formation islamique. Une occasion saisie pour faire le bilan des activités et projets réalisés pendant ces trois décennies et de réfléchir sur les initiatives à prendre pour relever les nouveaux défis. Le point avec Yacouba Gamene, Ibrahim Sanou et Oumar Zombré. L'AEMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, a 30 ans. Et c'est à travers ce séminaire national de formation islamique qu'elle célèbre ses 30 ans de vie. À l'heure où l'islam est confronté à de nombreux défis, cette commémoration est le lieu pour l'association de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées, mais aussi de décliner les nouvelles orientations. Ce que l'islam peut apporter, c'est contribuer à l'éducation, notamment l'éducation spirituelle de l'homme, et de le mettre au service de son prochain, c'est-à-dire de l'universel. Ce séminaire va permettre aux militants de renforcer leurs connaissances sur les thèmes liés à l'islam. Le premier thème qui est le principal d'ailleurs, c'est les 30 ans de promotion de l'islam et d'engagement citoyen. À qui est décidé, à côté de ce thème, nous avons le thème sur le terrorisme, le thème sur le civisme, le thème sur la citoyenneté. Pour les militants venus des quatre coins du Burkina, ce séminaire est une belle initiative. C'est un cadre pour nous, les élèves, de pouvoir se retrouver et se former sur tous les plans islamiques, comme intellectuels et bien d'autres choses, se rencontrer aussi. Un accent particulier sera mis sur la formation des participants durant ces 6 jours. Profitant de l'occasion, l'AEMB a procédé à une levée de fonds pour la construction d'un centre culturel islamique.
Les producteurs de bon de cuit dans le Mouroun se sont engagés à emblaver 1000 hectares de jatropha cette année. Décision prise suite à une rencontre avec le Larlenaba, une rencontre qui a permis de lever les équivoques sur la culture du jatropha. Le point avec Yves Rwamba et Paul Savadogo. La culture du jatropha connaît une léthargie dans la commune rurale de bon de cuit. C'est pour rassurer les producteurs et relancer la filière que le promoteur du jatropha est allé rencontrer les producteurs de cette commune rurale réunis dans les villages de Kera. Une rencontre qui a permis aux promoteurs d'expliquer les vertus du jatropha et annoncer des mesures pour lever les inquiétudes des producteurs. Dès le mois d'octobre, nous allons installer un comptoir d'achat de graines de jatropha et à leur proximité. Et nous allons payer toutes les productions de graines en ces lieux pour lever la pauvreté, lever les difficultés financières à partir des graines de jatropha. Nous leur avons montré toutes les vertus possibles du jatropha. Production d'huile, carburant, production de savon, production d'engrais organiques. Les inquiétudes levées, les producteurs s'engagent de nouveau à produire le jatropha. Dans la zone de Bon de Cuit, ce sont 975 producteurs repartis en 16 groupements qui cultivent le jatropha sur 1000 hectares. Ils avaient baissé les bras parce que la production était à un certain moment même élevée, mais ils se sont laissés au découragement parce qu'il n'y avait pas un canot d'achat très sûr. Aujourd'hui, nous sommes convaincus avec la mise en place d'un comptoir d'achat. Cette année, si réellement les producteurs acceptent de récolter, nous, on compte en tout cas avec plus de 1000 hectares. Si possible, on peut livrer au moins 10 tonnes. Si réellement les producteurs acceptent de récolter. En plus du jatropha, le Larlenaba Tigré a aussi fait la promotion d'autres filières, dont le moringa et l'haricot mongbin. Après la rencontre, il a visité un champ de jatropha et encouragé le producteur. Ils parcourent des dizaines de kilomètres généralement les week-ends pour pratiquer la pêche, leur loisir, leur passion. Les cannes à pêche en main, ils passent plusieurs heures sur les berges des plans d'eau à la recherche de poissons, bien sûr. Un monde peu connu par les moins passionnés que je vous invite à découvrir avec Salif Belem et Tanga Kafando. Personne du barrage de Ziga qui relie le fleuve Nakambe. L'appât au bout de la maison. Ils attendent pendant des heures, concentrés sur le bruit des vagues. Chaque mouvement du flotteur est une sensation, un espoir, mais il faut du temps, de la patience. Urbain Kouligati est membre d'une association de pêcheurs à la Ligue. Aujourd'hui, il a lui de la chance, car à peine installé, il vient de faire sa première prise. Et on vient d'arriver. Généralement, quand on vient, ça met du temps à prendre. Généralement, il y a des moments où ça prend ça commence vers 11h jusqu'au soir. La période propice à la pêche tourne autour du mois de septembre à novembre. Normalement, en fin septembre, normalement, la pêche à la ligne est très très bonne. Voilà. Et surtout ici, on arrive à faire de belles prises. Voilà. Parce que bon, selon les dires, les poissons remontent depuis Bagré jusqu'ici, jusqu'au déversoir de Ziga ici. À la pêche, l'objectif premier n'est pas forcément le poisson, mais la philosophie qui entoure l'activité. On va à la pêche pour se détendre. En plus de la détente, il y a beaucoup de choses que nous tirons de la pêche. Et il y a la patience que nous cultivons. Dans la pêche, ce qu'on gagne, c'est le loisir, c'est le plaisir. Voilà, donc le week-end, lorsqu'on a un peu de temps, on peut bien venir prendre un peu d'air. Bon, et vraiment oublier... tout ce qu'on a fait comme travail dans la semaine. Et au-delà, la pêche à la ligne aurait des vertus thérapeutiques. Pour quelqu'un qui est très nerveux comme moi, je le dis, j'accepte de le dire. Alors ça permet de corriger ma nervosité. Par exemple, des problèmes avec quelqu'un, une fois que j'arrive à la pêche, au moins ça ne me mord pas, puisque ça me permet de méditer sur la chose, de réfléchir à la question. Et ça me permet facilement de faire le contour de la chose
et de voir est-ce que l'acte que j'ai posé, ça avait sa raison d'être. Sport ou loisir pour les uns, passion pour d'autres, la pêche à la ligne est pratiquée par des centaines, voire des milliers de personnes au Burkina Faso, des pêcheurs qui parcourent le pays pour satisfaire leur passion et en passant se faire de la bonne sauce. En Libye, les forces gouvernementales ont rapporté de nouvelles victoires. Elles ont réussi à prendre le contrôle de certains quartiers de la ville de Sirte, repoussant les djihadistes de l'État islamique à leur dernier retranchement. Ces combats ont fait 12 morts et 85 blessés dans les rangs de l'armée. Les forces gouvernementales libyennes sont désormais à Sirte, prenant de nouvelles positions aux djihadistes du groupe État islamique. Selon le centre de presse de ces forces, le quartier Al-Naga et un ancien bâtiment de la sécurité intérieure seraient désormais la possession des forces gouvernementales libyennes. D'après ce même centre de presse, les combats se sont déroulés au sud du quartier résidentiel numéro 1, situé dans le nord de la ville, en bord de mer. Les sources médicales de l'hôpital de Misrata dressent un bilan d'au moins 12 morts et 85 blessés au sein des forces loyalistes. Faire face. Un commentaire de Lazare Pouya avec les images de l'AFP. Les manœuvres militaires des États-Unis et de la Corée du Sud en mer du Japon provoquent de vives tensions entre Washington et Pyongyang. Cette opération qui mobilise près de 8000 soldats et 20 navires est faite pour dissuader la Corée du Nord qui a multiplié ces derniers mois ses provocations. Faire face à une attaque nord-coréenne, c'est le scénario joué en ce moment par des militaires sud-coréens et américains, des manœuvres conjointes qui mobilisent au total 80 000 soldats. Tous les ans, ces exercices provoquent une montée de tensions sur la péninsule. Pour Pyongyang, il s'agit d'une provocation de plus à laquelle le pays réplique par des menaces de frappes nucléaires préventives. Après plusieurs mois de tirs nord-coréens de missiles, les relations entre les deux Corées n'ont jamais été aussi tendues depuis les années 70. La nervosité a encore été renforcée par une récente vague de défections au nord, la plus emblématique étant celle du numéro 2 de l'ambassade de Corée du Nord en Grande-Bretagne. Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne, prend très au sérieux les menaces du Nord. L'armée est en état d'alerte, dit-elle, et ripostera vigoureusement à toute action hostile. Le stade Adieu, Maracana Rio. A brillé de mille feux hier lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Les discours, la succession des tableaux et la passation du drapeau olympique entre Rio et Tokyo ont été les temps forts de cette cérémonie. Adieu Rio. Ni la pluie ni le vent n'ont empêché les Brésiliens et les touristes de faire une dernière photo le long de la plage de Copacabana. Une dernière soirée des Jeux Olympiques teintée de mélancolie et de plaisir. C'était incroyable d'être à Rio. Je ne m'attendais pas à un tel engouement de la population. Quand vous voyez les JO organisés dans d'autres pays, c'est passionnant. Mais quand ils se déroulent à la maison, c'est encore plus excitant. Sur le boulevard olympique, certains assistent à la cérémonie de clôture sur les écrans géants. D'autres entonnent l'hymne brésilien. En 19 jours de compétition, Rio, première ville en Amérique du Sud à accueillir les Jeux Olympiques, a reçu des délégations issues de 208 pays qui se sont affrontées dans 42 disciplines. Évidemment, quand ce sont les premiers Jeux Olympiques, dit ce touriste britannique, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pareil à chaque événement majeur. Il y a eu aussi des problèmes à Londres. Avec un nombre considérable de personnes qui se déplacent dans une ville avec des lieux assez éloignés, c'est difficile. Mais tout s'est arrangé progressivement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire des structures. Ils devraient les réutiliser pour des lieux sportifs pour encourager les athlètes locaux. Quel est l'héritage des Jeux Olympiques pour le Brésil, dit notre envoyé spécial à Rio. L'énorme investissement va-t-il améliorer les conditions générales de la population? C'est à présent aux autorités de faire en sorte que cet événement colossal ne se transforme pas en fiasco. Rafael Batista do Rio de Janeiro para Euronews. La saisie de produits impropres à la consommation et la fermeture des JO, ce sont là les principaux sujets traités par les quotidiens de ce 22 août. La revue de presse, c'est avec Evelyne Dabiré. 20 tonnes de poulets impropres à la consommation selon Aujourd'hui au Faso
et 30 tonnes comme écrivent Le Quotidien et Notre Temps. Outre ces divergences de chiffres, les journaux de ce jour reviennent sur la saisie d'une grande quantité de poulets avariés à la consommation le 19 août dernier à la gare de l'Est. Et selon Simon Compaoré, en charge de l'administration territoriale, dans Notre Temps, deux véhicules d'immatriculation étrangère en refus d'obtempérer au contrôle de la police ont été poursuivis et arrêtés à la gare de l'Est. Et après vérification, il a été découvert que les 10 véhicules transportaient des poulets impropres à la consommation. Au même endroit, précise aujourd'hui au Faso, il y avait aussi des entrepôts où des poulets sont conservés dans des congélateurs. Puis ce journal poursuit, non loin de là, un entrepôt contenant des boîtes de tomates et autres marchandises diverses a été découvert. Si les conducteurs des véhicules ont pris la clé des champs selon les différents journaux, tous les poulets saisis ont, eux, été incinérés, informe le journal Le Quotidien. Des importations qui sont nocives pour les citoyens et l'économie, rappelle Le Quotidien, qui ajoute « Il appartient au gouvernement de mettre le holà à cette frénésie de l'enrichissement illicite ». Autre sujet d'actualité, les rideaux sont tombés sur les Jeux Olympiques. L'observateur Palga fait le point de la participation de l'Afrique aux JO. 43 médailles au total pour l'Afrique et 0 pour le Burkina. Si l'Afrique a tout de même tiré son épingle du jeu, écrit le pays, elle peut et doit mieux faire, car pour ce journal, les JO, ça se prépare. On ne se lève pas à la dernière minute, baluchon en main, pour prétendre remporter une compétition qui réunit les meilleurs de la planète. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la RTB.